Alors tu peux suivre Jésus, qui est un vrai maître, un vrai guide. Il va te montrer le vrai chemin à suivre, car il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux la vie ce soir, bien-aimé, suis le chemin de Jésus. Pour déposer à tes pieds mes fardeaux, pour déposer à tes pieds mes soucis, nous voici encore ce soir devant ton trône, Jésus. Inalanda, 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 Inalanda,
Sisila yayo. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes fautes, c'est lui qui te guérit. Nous voulons le dire dans notre langue locale. Zambiani ngetikutonda. Devant l'Assemblée, je veux te dire merci. Ici, maintenant, je veux te rappeler mes actions de grâce. Alléluia. Zambi ngeti kutonda muzola kwena yaku. Pele kotwena bambi. Zambi ngeti kutonda.
solele Zambinge tikutonda Muzola kwena ya Pele kotwena bambi Yesu Nge utu zolele Zambi wena mbote Zambi wena mbote Tu sigi la muyandi ne tu mama na kweto Esa la salu kiandi muzola kwatima Zambi wena Zambi wena wambote Zambi wena wambote Mutu zolele babo Mutu zolele babo Bika kazi tuswa Zambi wena mbote Zambi wena wambote Le 1er janvier comme le 30 décembre aujourd'hui. Mais quand nous pendant tout ce parcours, le Seigneur était avec nous. Il y a eu le pardon, il y a eu la joie. Mais comment pourrais-je encore vous le dire? Ce que Christ a fait pour moi, comment pourrais-je vous le dire en ce moment? Voilà que nous avons chanté Alléluia. Ce que Christ a fait pour moi, comment vous en parler? Le pardon, la paix, la joie. Baby
Thank you.
deux jours, je voulais me mettre le nuit. Come on, come on.
qui deviendrai-je? Qui deviendrai-je? Qui deviendrai-je? Je t'ai dans ma vie, qui deviendrai-je? Qui deviendrai-je? Qui deviendrai-je? Mon rêve n'est plus celui que je désirais. Que je désirais, je m'imaginais que c'était un paradis, mais hélas, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ce que je pensais, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Oh oh. Ce n'est plus cela. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Quand j'avais faim, je pleurais. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Je portais ma tunique. Ce n'est plus le cas. Je portais presque toutes les couleurs, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Le rouge, le vert, le noir, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Oh oh. De Jésus dans le jardin de Gethsémané. Père, éloigne de moi cette coupe. Je me demandais bien quelle est cette coupe. La coupe de la dent de colère de Dieu qui avait été destinée pour des impies. Tu l'as bu. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Je ne saurais m'étonner. Ce temps de ce qui m'arrive, ma vie dans sa jeunesse n'est plus ce que j'étais. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça.
la gueule. Vous êtes là, la sœur Lydie. Yes. Ok. La mort est inévitable. Et nous aussi connaissons que nous sommes nés. Il y aura un jour où nous allons aussi partir. Mais c'est un moment où nous voulons écouter afin que chacun de nous se prépare pour son départ. Parce que nous ne sommes pas sur la terre éternellement, mais c'est pour un temps. Voilà pourquoi je veux que tu touches le cœur de mon frère et de ma soeur. Parce que notre papa est mort. Parce que tu es là. Au nom de Jésus, ensemble nous prions et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bien-aimé. Je vais tout simplement dire ceci. Il n'y a pas la mort sans qu'au préalable nous puissions naître. Et chaque fait, on n'aime pas la mort. Mais si on veut refuser la mort, il fallait refuser aussi de naître. Le fait que nous avons connu la naissance, nous devons savoir que nous allons mourir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La mort vient mettre fin au pèlerinage. Bien aimé, nous sommes des pèlerins sur la terre. Personne n'est venu sur la terre pour vivre éternellement. Il y a un problème compliqué sur la terre. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Maintenant, Dieu, pour accomplir sa parole, il va envoyer son fils pour régler les problèmes qui avaient été causés par Adam et Ève, afin que ton séjour se passe dans de bonnes conditions, afin que les liens d'Adam et Ève ne puissent pas influencer ton séjour sur la terre. Et cette personne que Dieu a envoyée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus qui avait été envoyé afin que ton séjour se passe dans de bonnes conditions. Que ce soit petit, que ce soit moyen, que ce soit long, mais que ton séjour ne connaisse pas de bavure. Jésus a payé le prix. Et quand on m'a dit que notre papa avait donné sa vie au Seigneur, j'ai béni le Seigneur pour ça. Alléluia. Et je suis très fier. Maintenant, nous sommes là pour témoigner. Témoigner l'amour, la reconnaissance qu'on a envers notre papa qui est parti.
là où je suis en train de parler. Comment nous allons témoigner la personne qui est morte? Le papa est parti. Nous venons ici parce qu'on avait un certain amour envers notre papa, envers la famille. Et quand les gens du quartier voient le nombre qui est là, c'est pour dire que le papa aussi avait un bon témoignage. Et maintenant, c'est à toi et moi de témoigner. C'est là où je parle de cette femme qui avait perdu son mari. Et la femme là n'avait plus des choses. C'est comme ça qu'elle est partie voir un homme de Dieu. Pour dire qu'un saint serviteur de Dieu, il craignait Dieu. Est-ce qu'après ta mort, les gens vont témoigner quoi pour toi? Parce que dès que nous sommes là, même si on ne te connaît pas, mais les jours de ta mort, beaucoup vont témoigner. Les gens peut-être te qualifient par rapport à l'apparence. Mais au fond, il y a des gens qui connaissent ce que tu fais dans le secret. Alléluia. Mais la femme la vivait avec son mari. Ça veut dire qu'elle connaissait son mari. Il y a des gens qui vont aller dire contre Dieu. Mais il est très bâti. Alléluia. Nous sommes là en tant que religion. Sur la terre. Maintenant, si toi tu es reconnaissant envers la personne qui t'a envoyé sur la terre, quel sera ton rapport de ton séjour sur la terre? Parce que qu'on le veuille ou non, nous allons repartir. Nous allons repartir. Beaucoup n'y pensent pas. Beaucoup se laissent entraîner par le système du monde. Bien aimé, tu dois réfléchir. Que ta conscience se réveille. Toyez pour te dire dans mon kilo libéré. Mais toyez pour Nathan. Et chacun de nous a son temps. Chacun de nous a sa durée. N'ayez dit peut-être l'autre. Nous avons célébré le 31 décembre. Entrée en 2024. Mais laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont morts aussi. Il y a des gens qui sont morts aussi. Il y a des gens qui vont mourir de toi. Et pas de Jésus. Maintenant, le problème, tu vas partir comment? Alléluia. Alléluia. Alors chaque homme doit une durée par rapport à ce sujet. C'est ce qui la durée. Chacun doit faire son temps. D'autres peuvent faire un sujet, mais c'est Dieu qui Thank you.
De Dieu. Mais comment nous marchons? Est-ce que nous respectons les règles de Dieu? La Bible dit que cet homme craignait Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui respectait la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui mettait en pratique. Aujourd'hui nous voyons, oui nous allons à l'église, mais comment nous vivons? Que tu vis dans le quartier, par rapport à ce que tu fais aussi dans l'église. Combien sont sortis avec des pasteurs? Combien font des choses, même voler les offrandes dans les églises? Mais c'est des gens qui disent que non, nous prions. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Tant que tu vis dans ces choses-là, tu ne vas pas consommer ton séjour sur la terre. Alléluia. Alléluia. Prends conscience, bien-aimé. Jésus que tu as accepté, il est parti pour te précéder afin de te préparer une place. Maintenant, si tu te comportes mal, ça va réduire ton séjour. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont mourir sans pour autant consommer leur séjour. Moi, je dis que notre papa a consommé son séjour sur la terre. Alléluia. Maintenant, toi, est-ce que tu vas arriver vraiment au terme de ton séjour par rapport à ton comportement, par rapport au manque de respect, de respecter les règles de Dieu, de respecter la loi de Dieu? Bon, moi j'ai toujours dit, je dois consommer, je dois me rassasier de mes jours sur la terre. Je veux que cela soit aussi pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Le mari qui était parti, je vais, ton humain, il y aura des choses que tu n'arriveras pas à accomplir sur la terre. On te pourra comprendre là, à Davos, à bien au Salakamala, mais tu ne feras pas tout. Il y a d'autres choses qui vont rester, et ceux qui vont rester derrière toi, ce sont eux qui vont prendre les délais. Alléluia. Bien que le mari craignait Dieu, mais il a laissé aussi des dettes. Et moi j'ai compris le pourquoi il avait laissé les dettes. C'est pour que la femme qui sont des bas au bas dans la famille. Mais la famille ne s'arrête pas là. Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce que la mission de celui qui est parti est à la fin. Maintenant c'est à toi, parce que ça fait très mal. Mais est-ce que tu prends conscience? Ce que papa faisait, est-ce que moi aussi je peux le faire? Parce que papa n'était pas parfait. Il a fait ce que Dieu lui a donné la capacité de faire. Maintenant, le reste, nous qui témoignons, à Zalaki papa malade, à prier, c'est ce moment où toi et moi, nous devons prendre conscience de se lever pour continuer là où papa s'était arrêté. Alléluia. C'est ça un bon témoignage. C'est là où quelqu'un est mort. On vient d'abord compter. Il a laissé combien de personnes? Il a laissé combien de comptes? Il a laissé combien de voitures? Bien aimé, les voitures, les comptes, les maisons que la personne qui est morte a laissé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Prends tes responsabilités. Parce que Dieu a permis, parce que maintenant c'est ton tour. Le papa a fait son travail. Même à la fonction publique, il y a un temps où la personne doit aller à la retraite. Alléluia. Alléluia. Mais s'il est pour que la famille reste unie, soudée, pour que la famille reste unie, bien aimé, nous devons témoigner les dieux que servait notre papa. Alléluia. Amen. Il faut te témoigner. Et tant que nous devons témoigner, c'est que Bissopé, le Saint-Esprit va nous donner la force. Et celui qui viendra pour détruire, le Seigneur va les confondre. Alléluia. Ma prière est que la famille là
reste soudé, reste uni. Alors, un mort dans le Seigneur, même s'il ne laisse pas de maison, c'est quelqu'un qui a laissé. Le bien goût à la ou sa pagaya ou sa patagé là. Seigneur, nous te recommandons de te parler au cimetière. C'est toi le bon conducteur. Et quand tu conduis, c'est pour que nous arrivions et que nous puissions revenir à bon port. Tout ce que l'ennemi peut préparer sur le chemin, que cela soit nul et sans effet. Nous prions, Seigneur, que ta main puissante soit sur les cortèges, soit sur les chauffeurs, soit sur tous ceux-là qui vont partir et qu'ils reviennent sains et saufs. Et que tous les dangers soient loin d'eux dans le nom de Jésus. Et que la paix règne dans cette famille dans le puissant nom de Jésus. Nous demandons à l'évangéliste Brunel, il va élever sa voix. Bakende kote ya bangoli loba po kote na zaba ya kateza tropasi. Oyebi nini Abraham loba ki? Baza deja na batukuna bazote ya bango. Soki yo zote la moto uta na mboka baweli. Aya kote ya yo. Oko zote. Men moto wana kaka nipa oyo yo zomona balati ba investite oyo. Amen. Fais attention à ta vie et moi aussi. Je vous dis la vérité, tu es bien gros. 1 heure, 2 heures après qu'on est le gossé, les cocos m'a fait. Mais prends conscience pour ta vie. Le diable n'a plus honte de se manifester. Beaucoup de réseaux sociaux. Dans la ligne, je vais inviter ma chaîne, ma compte, ma franc-maçonnerie. N'a qu'à les aller. Mais pourquoi est-ce sur la sanité? Parce que Ngonga est commis déjà. Donc je te dis à toi qui avais reçu déjà Jésus, aux yoka son, soko comme une milieu moko batami. Au comme côté na même l'église au Bimisi. Voilà vous c'est les embêté. Ne sois pas orgueilleux ni orgueilleuse. Il y a plus le temps à perdre, n'aie plus honte. Si tu avais déjà reçu Jésus, n'aie plus honte de parler à de Jésus. Na famille na yo, na libanda. Koyo ka lisu sonité. Moki de oyo moto lisu sonso qui peut moninga té. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut un niveau yambaye. Il faut un niveau yambaye. Seigneur, mon âme te bénit. Il n'y a pas de nombre de la vie. Pour accompagner, après ça qui vit et pas là. La fin du monde, c'est la tête que m'a donné Panzanité. Ce qu'on couche, c'est la fin du monde. Mais au Téhibiso. L'homme est là, mon thème, mon comme on a cassé. Il y a un nani qui a été touché. Si ma âme va y avoir sonité, et c'est la tête de mon. Mais que cette personne puisse te recevoir comme Seigneur le Sauveur de sa vie. Et pour la bande de Oyo Bandime, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, que Dieu vous bénisse.
Yeah.
Thank you.
Il n'a qu'une histoire.
Bakouni par avion, nous partirons sur le chemin infini. Par les ailes de grand retour, mon bien-aimé me portera. Et par Bakouni par avion, nous partirons sur le chemin. Par les ailes de grand retour, mon bien-aimé me portera. Et par Bakouni par avion, nous partirons sur le chemin.
Bye.
Yesu,
Papa, ah, papa, ça va, ma fille, viens, contrôle, papa. Papa, j'espère que tout va bien, hein. Papa, tout va bien. Elle a la bonne idée, tout va bien, papa. Elle est désolée, vers, papa. Ça va, on passe le papa. Papa, qu'elle est mal là, mon papa. Ah, Marie, vous avez déjà vos blots là. Il faut mal être voir, papa. Ah oui, tu te la trouves comme tu te fais du cas, la route à l'île avant d'avoir. Ah oui, le papa. Oh Jésus. Jésus de Nazareth, sois béni. Sois béni. Ah, Moutou. Ah, Moutou. Oh,
Ah!